Bonjour à tous. Alors là, je viens de terminer donc la réparation de ma sableuse. Le résultat est vraiment impeccable. J'adore. Le résultat est super propre. Là, j'ai utilisé donc un sable de maçonnerie que j'ai donc tamisé avec un tamis maison. Donc ça, c'est de la tôle qui est normalement utilisée pour faire des boîtes à air, des choses comme ça. Ou de l'échappement aussi. Et puis j'ai soudé donc une tôle que j'ai roulée avec une rouleuse. Et j'ai soudé vite fait. J'ai fait ça un peu à l'arrache, mais je m'en fous. Ça tamise bien le sable. Alors est-ce qu'il y a moins de. Bon, il y a un peu de machin, un peu de brouillard de sable. Et vous voyez, mon sable est bien tamisé. Il y a encore de la poussière, du sable en suspension. On va refermer. Hop. Mon petit loquet est pas facile à manipuler à une main. Hop. Mais bon. Et parce que le loquet était pété, donc j'ai réparé un peu à l'arrache. Et du coup, j'ai foutu un machin de portail. Ça marche super bien. Voilà. C'était juste pour vous montrer donc le résultat. C'est impeccable. À la prochaine, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo sur une machine en restauration avec donc la sableuse. Je vous ferai une vidéo en fonctionnement pour que vous puissiez la voir en train de tourner. Mais bon, il n'y a pas à dire, c'est très beau.